I'm on the payphone trying to call home all of my change I spent on you. Well, the time's gone, baby, it's all wrong. Well, all the plans we've made for two. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. Still another picture, but not in this to me. Salut à tous, Payphone de Maroon 5, chanson plutôt facile à jouer vu que les accords sont simples, la rythmique ça va aller assez vite par contre avec un petit peu de mute, c'est pas le mute, l'arpège du début, il n'y aura pas trop de soucis, moi je joue au médiateur pour le jouer au doigt, donc j'essaie de vous expliquer tout ça, bah, déjà on va commencer par les accords, ensuite on verra l'intro, pour finir sur la rythmique qu'on va jouer d'ailleurs tout le morceau, avec une toute petite variante, donc bah, c'est parti. Ok, donc les accords main gauche, déjà précision, capot, quatrième case, pour pouvoir chanter avec la chanson originale. Dans la démo, moi j'étais en capot 3, mais c'est pour ma tonalité à moi. Et donc bah, c'est parti, donc les accords, on va en avoir 4 dans cette chanson, donc ça va aller assez vite à ce niveau. En plus, petite précision pour cette chanson, on va mettre de la colle sur l'annulaire et l'auriculaire vu qu'on va pas les bouger de la case 3 sur les cordes si mi. Ils vont rester tout le morceau comme ça. Pour do, sol, ré, mi mineur. Donc les deux doigts là vont pas bouger tout le morceau. Alors premier accord, do à 9. Alors comment on le joue? Première corde étouffée, cette pouce qui vient juste se poser sans appuyer pour étouffer la corde de mi. Ensuite case 3 avec le majeur sur la corde de là. Je vais mettre à peu près droit par rapport à la caméra. Ensuite l'index en case 2 sur la corde de ré. Corde de sol à vide. Et donc notre case 3 sur les cordes si et mi. Ensuite on aura un sol. Alors là pour le sol c'est facile, vous avez juste à monter l'index et le majeur d'une corde. Donc le majeur vient en case 3 sur la corde de mi grave et l'index vient en case 2 sur la corde de la. Et vous jouez toutes les cordes. On a notre sol. Ensuite on va avoir un mi mineur. Septième en fait, mi mineur, je l'appelle que mi mineur. Où en fait on va placer les doigts, mais pour l'arpège du début, on ne servira pas des cordes en fait. Où il y a les deux doigts là, en fait on pourrait laisser que ces deux là. Mais pour la rythmique, autant placer directement l'accord en entier. Et donc le mi mineur, donc vous placez un mi mineur classique, c'est-à-dire index case 2 sur la corde de la et le majeur en case 2 sur la corde de ré, et vous laissez donc les deux doigts toujours sur les cases 3 des cordes si et mi, et vous pouvez jouer toutes les cordes également. Et pour finir, on aura le ré sus 4. Alors le ré sus 4, comme un ré, là vous avez votre ré, sauf qu'on veut mettre le petit doigt en case 3. Forcément, vu qu'il ne bouge pas, sur la corde de mi aigu. Donc on joue pas les deux premières cordes. Donc vous jouez la corde de ré à vide. Ensuite on a 2 avec index. 3 avec l'annulaire sur la corde de si. Et donc 3 sur la corde de mi aigu. Avec le petit doigt. Alors du coup vous n'êtes pas obligé de mettre quel doigt d'ailleurs? De mettre le majeur. Vu que on va jouer, parce que le majeur normalement est en case 2 sur la corde demi-aigu, pour le ré. Là, vu qu'on met le petit doigt en case 3, le majeur, vous pouvez l'enlever. Donc voilà pour les 4 accords de cette chanson. Et donc, ben, on va passer directement sur l'intro. Alors pour l'intro, les 4 accords vont
être les mêmes que pour le reste de la chanson. La séquence et l'ordre sera exactement le même. On aura un Do à 9, suivi d'un Sol, suivi d'un Mi mineur, et du Ré sus 4. Pour l'arpège, ça va être assez simple, donc on se place sur le premier accord, Do à 9. Ensuite, on va jouer corde de La, corde de Sol à vide, corde de Si, corde de Mi, et ensuite on va faire Si, Sol, Si. Donc sur le Do à 9, ça va donner ceci. Je recommence une fois. Donc La, Sol, Si, Mi. On fait durer cette note là, la corde de Mi. Et on finira sur Si, Sol, Si. Si, Sol, Si. I'm at a payphone trying to call. Une dernière fois au ralenti. Donc pour le Sol, on va tout monter les doigts en été là en doigt 9, on va monter d'une corde pour venir sur le Sol. Et l'arpège va être presque le même, sauf qu'on va jouer la corde de Mi grave à la place de la corde de La en basse. Forcément, on vient sur notre Sol par rapport au capot parce que là c'est bien un Si. Donc on joue corde de casse 3 sur la corde de Mi grave. Et ensuite pareil, Sol, Si, Mi. Et toujours Si, Sol, Si, Sol, Si. De toute façon, le pattern de l'arpège va être exactement le même tout le long du morceau. C'est juste la basse qui va changer en fait. Donc, le Sol, corde Mi grave, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Si. Allez, les deux premiers accords enchaînés, les deux premiers accords enchaînés. Une dernière fois au ralenti. Ensuite, on vient sur notre Mi mineur. Donc, on place l'accord, même si on ne va pas jouer. En fait, les deux doigts là, ils ne servent à rien pour l'arpège, vu qu'on ne va pas jouer les cordes. Placez-le par habitude, déjà, parce que pour la rythmique, on en aura besoin. Et puis, de toute façon, c'est une très bonne habitude à prendre. Donc, autant faire. Et ensuite, pour le Mi mineur, on va jouer exactement pareil que pour le Sol, c'est-à-dire Mi grave, à vide. Donc, notre Mi, qui est pas un Mi d'ailleurs, mais un Do dièse, par rapport au capot toujours. Donc, corde de Mi grave à vide, ensuite Sol, Si, Mi, Si, Sol, Si, toujours pareil, hein, comme je vous disais. Faites pas trop attention à la corde de Mi grave, parce qu'elle a tendance à... Je suis accordé avec le capot, ou en cassette, je sais plus, enfin j'étais accordé, et quand je change de case, j'ai pas la bonne note, donc c'est ma guitare qui commence un peu à déconner. Faites pas trop attention. Donc, je recommence pour le Mi mineur, corde de Mi grave à vide. Sol, Si, Mi, Si, Sol, Si. Et ensuite, donc, on aura notre Ré, où là, en fait, on va juste faire exactement pareil, sauf qu'on va démarrer la corde de Ré. Donc, Ré à vide. Corde de Ré à vide. Ensuite, Sol, Si, Mi. Si, Sol, Si. Toujours pareil. Enchaînement Mi mineur, Ré, ça donne ceci. Pardon. Ah, je vais y arriver. Voilà, donc je recommence une fois. Mi mineur. Ré. Pour l'intro, on va jouer ça deux fois, cette séquence d'accords, les quatre accords, deux fois. Pour le dernier Ré,
vous pouvez juste faire, vous pouvez faire l'arpège, vous faites juste, vous passez du mi mineur comme ça. Au ré, vous faites juste l'arpège vers le bas les notes. Et ça, pour ceux qui savent faire, c'est juste la meilleure poulante, soit case 3, 2, 0. Mais en fait, ça s'en fout un peu. Donc voilà pour l'intro, on va passer sur, sur la rythmique en fait, parce que couplet, refrain, au niveau de la séquence d'accords, ce sera la même chose, donc on va s'attarder un peu sur la rythmique. Et donc... Alors, pour la partie rythmique, pour le couplet et le refrain, vu qu'en fait, on va jouer exactement la même chose, sauf que moi, je joue le couplet en palm mute, c'est-à-dire en posant la paume de la main pour donner ce son étouffé. Et le refrain, je le joue plus en enlevant la paume de la main du chevalet pour ne pas étouffer justement les cordes et que ça sonne beaucoup plus fort. Un peu le son du micro pour pas que ça sature. Et donc c'est parti pour la rythmique. Alors donc pour la rythmique, je vais vous montrer globalement à quoi elle ressemble. Donc ça va faire bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Donc bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Je prends l'exemple du do à 9. C'est un truc comme ça. Faire sans étouffer les cordes pour que ça fait bas, haut, bas, haut, bas, bas. Et là vous changez d'accord. Bas, haut, bas, haut, bas, bas. Allez, je recommence une fois au ralenti. Bas sur le do à 9. Bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Et vous changez d'accord. Bas, haut, bas, haut, bas, bas. Toujours pareil sur chaque accord. Bas, haut, bas. Haut, bas. Haut, bas, bas, haut, bas. Haut, bas. Haut, bas, bas, haut, bas. Haut, bas. Vous voyez, entre chaque accord, en fait, on fait le dernier coup vers le haut. Bas, bas, haut, bas. On va enchaîner assez rapidement le premier coup vers le bas de la rythmique en fait. Donc je recommence. Bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Et là on va faire de suite un coup vers le bas sur l'accord suivant. Donc ça fait bas, haut, bas. Donc bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, etc. Alors comme je vous disais, pour le couplet, moi je vais étouffer les cordes, donc ça va donner un truc comme ça. Bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas. Alors là, il faut vraiment venir poser la paume de la main, là la tranche, sur le chevalet, et vous essayez de choper le truc. C'est pas évident au début, si vous êtes débutant, essayez de le faire... c'est de le faire vraiment ralenti parce que sinon vous n'y arriverez pas. Donc vraiment bas, haut, bas, haut, bas, bas, bas. Bas, non, c'est do à 9. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, bas. Vous avez toute la chanson avec ce que je viens de vous montrer. Reste, donc c'est pas une chanson vraiment facile dans le sens où la rythmique va assez vite, que si vous essayez de le faire en palm mute, ça demande quand même du travail.
Et par contre, mais par contre, bon, le fait qu'il n'y ait que quatre accords qui se répètent tout le long de la chanson fait qu'elle est facile à bosser. Et puis toujours sympa, de toute façon, une chanson qui s'apprend en quatre accords en deux minutes avec une seule rythmique, c'est plutôt sympa.